Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ne cesserons pas de le redire. Bien-aimés, ce souffle que nous avons eu, que le Seigneur nous a donné, que nous sommes en train d'aspirer jusqu'à des heures pareilles, ce n'est pas par notre intelligence, ni par notre fortune, mais c'est la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Nous devrons le connaître. Et donc, agenouillons nos cœurs pour adorer notre Seigneur dans la prière et le louer. Éternel, nous t'adorons. Et avec notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons de ce que tu es Dieu. De ce que, avec notre Dieu, que tu fais nuit et jour, nous te sommes reconnaissants de ce que tu es en train de faire. Nuit et jour, avec notre Dieu, tu es là pour veiller. Veiller à tes brebis, veiller à ce que nous sommes. Éternel, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Et donc, sois magnifié. Nous te redonnons ce temps fort, ce temps d'être à tes pieds, ce temps d'être enseigné, ce temps à l'école, et avec notre Dieu du Saint-Esprit, à l'école d'être enseigné par toi, à l'école spirituelle que tu nous as fait montre, que tu nous fais éternel, et avec notre Dieu école jusqu'à aujourd'hui. Éternel des armées, chaque 22 heures tu nous parles, chaque matin tu nous parles, personnellement tu nous parles, à travers les médias tu nous parles. Tout cela pour que l'homme, Yahweh notre Dieu, puisse suivre le droit chemin et être connecté avec le ciel et être connecté avec toi. Sois béni pour ce grand pardon que tu nous accordes. Sois béni pour la manifestation de ta gloire en ce temps de prière. Sois béni de ce que tu es en train de conduire nos pas par ton nom Jésus, notre roi, nous avons prié. Amen. 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 Kwa bale kwa kia si la vuvukani ilu lombele tale no kuntwala kadi bronza ikulu belanga kaluti niko yau yateka kumbela kwa bale kwa kia si la vuvukani ilu lombele tale no kuntwala kadi bronza ikulu belanga Kalutiniko, yawu yateka kumbela, mayangi mena yeno, mbuba kulu tuikanga, vya yonso no mungu mwami, nunanunga kwenu. Ah, eke mboswa, musulu jasami, mayangi mena yeno, mbuba kulu tuikanga, vya yonso no mungu mwami, nunanunga kwenu. Kamutuko ulenda vanga makazolele, oh Musa lukiani, kia luveni, basadi langa mjenga zabau kibeni, banana tankano mia unatele mulufwa, mayangi mena yeno, mbuba kulu tuikanga, bia yonsono mkumbwa milu nanunga kwenu, Eke mboswa musulu jasami. Mayangi mena yeno mbuba kulu tuikanga. Bia yonsono mkumbwa milu nanunga kwenu. Eke mboswa musulu jasami. Kamutu ko ulenda vanga makazolele. Musa lukiami kia luveni. Basadi langa ndwenga zabau kibeni. Banana tankano mia unateye mulufwa. Kamutuko ulenda vanga makazolele. Oh Musa lukiami kia luveni. Basadi langa ndwenga zabau kibeni. Banana tankano mia unateye mulufwa. Mayangi mena yeno mbuba kulu tuikanga. Bia yonso no mkumbwa milu nanunga kwenu.
Oh, eke mboswa muzulu dia sami. Mayangi mena yeno bubakulu tuikanga. Bia yosono mungkumba ni luna nunga kweno. Oh, eke mboswa muzulu dia sami. Mayangi mena yeno bubakulu tuikanga. Bia yosono mungkumba ni luna nunga kweno. Eke mboswa muzulu dia sami. Yesu meko na bolingo lingingani na mingi o kufela kingaipe o tali singanze imba aleluya Yesu aleluya na Yesu ngai na lingi kolo Yesu aleluya oh yemba aleluya masia aleluya na aleluya na Yesu ngai na lingi kolo Yesu aleluya na Yesu 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 yo malamu mingi oh pesa kinga oh ngabomo la pena seco bomo eco oh yemba aleluya yeah. Oh aleluya na aleluya na Yesu ngai na lingi kolo Yesu oh aleluya oh yemba aleluya Nana dimi kolo Yesu, aleluya na. Oh soko, oko basi soko liwa. Yo kolo mananga, nanga te yo sopa ki makila. Ete nanda, oh yemba aleluya. Yeah, oh. Aleluya na Yesu ngai na ningi kolo Yesu oh aleluya na oh ata tabato bakoboya yo bakolinga satana yo lingi batonyo so oh koboya oh yemba aleluya aleluya na aleluya na Yesu ngai na lingi kolo na lingi kolo Yesu aleluya oh yemba aleluya anandimi oh aleluya aleluya na Yesu ngai na lingi kolo na lingi kolo Yesu aleluya na Yesu. C'est par ce temps de la louange, par ce temps de l'adoration à ces deux cantiques que nous venons de chanter, nous sommes en train de nous dire un bon accueil, que ce soit nous, que ce soit vous qui nous écoutez, nous nous disons un bon accueil, que tu sois dans d'autres horizons, ceux qui sont aux États-Unis, en Amérique, ceux qui sont en Europe, en Asie, en Océanie, de partout dans le monde, dans les recoins, de là où vous nous écoutez. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à ce moment cultuel, sans oublier la chorale Sita, sans oublier Maman Vani au carré, sans oublier nous tous, vraiment, nous souhaitons une cordiale bienvenue. Nous devrons nous sentir à l'aise. Et donc là, nous allons céder la place à la chorale Sita, de continuer à louer le Seigneur par un cantique de louange et de l'adoration. Nous devrons le reconnaître que nous sommes à un temps d'adorer et de louer le Seigneur. Et donc, place à la chorale Sita de chanter un cantique, place à la chorale Sita de louer l'Éternel. Et donc, un temps de louange
et de l'adoration. Place à la chorale Sita. Gloire, gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à travers ce cantique que la chorale a chanté que nous allons ouvrir nos Bibles pour lire la parole de Dieu de ce soir qui est tirée du livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13. Nous allons commencer la lecture du verset 25 au verset 30. Matthieu 13, 25 à 30. Matthieu 13, 25 jusqu'au verset 30. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint ses mains de livrer au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donnait du fruit. L'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a et de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allons l'arracher. » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du temps de la moisson.
selon le texte et les versets que nous venons de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ nous parle de ce qui est du royaume des cieux. Et donc, il a parlé de ce royaume dans ses textes en parabole pour faire comprendre d'où sort le mal, pour faire comprendre au peuple, à l'auditoire, à ceux qui nous écoutent, le mal sort de qui et à quel moment que le mal a été cultivé et que le temps de la moisson, qu'est-ce que le Seigneur fera? Le temps de la moisson, c'est un temps de la récolte. C'est un temps où l'Éternel va évaluer. C'est un temps de récolter ce qu'on a dû semer, ce qu'on a semé. Et donc, le Seigneur, dans son champ, il a semé des semences, la semence qui est bonne. L'Éternel a bien semé. L'Éternel n'a pas semé ce qui est mal. Il a semé du blé, il a semé la bonne semence qui est le blé. Mais le diable a voulu essayer un peu de contrecarrer pour mettre livré. Nous savons que quand livré rentre, livré c'est lèvre, nous pouvons dire mauvais, qui étouffe. Et donc cela a été semé par le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devrons le reconnaître, comme je le dis tantôt, le Seigneur nous fait que du bien. Comme je le dis, le Seigneur a bien semé. Ce qu'il a semé, il a semé du blé. Lui qui a semé la bonne semence. Mais on nous dit la nuit quand il dormait. La nuit, nous savons le diable sème que la nuit. Là où il y a la nuit, là où il y a du ténèbre, là où nous prenons la nuit comme là où le diable siège, c'est dans la nuit. Les œuvres mauvaises sont cultivées. Les œuvres mauvaises sont pratiquées. Les œuvres mauvaises sont appliquées que la nuit. Là où il y a du ténèbre, là où les gens ne voient pas, là où les gens sont dans le bourbier, là où les gens ne contrôlent pas, là où... Et donc, le Seigneur avait bien semé, il avait bien semé son blé, il avait bien semé ce grain d'œuf du blé, mais, bien-aimé, le soir, la nuit, le diable a profité dans la nuit pour aller semer de l'ivraie, pour aller semer la mauvaise semence qui est l'ivraie, afin que la bonne semence soit étouffée, afin que la bonne semence ne puisse pas germer totalement. Et le jour, quand le jour les serviteurs ont vu le serviteur, ont regardé, on parle pas, ont regardé, ils avaient constaté, il y avait l'ivraie. Et il va aller donner le message au maître pour dire, n'est-ce pas, toi tu n'as pas semé la bonne semence. Mais douceur la graine, douceur livrée, ça sort doux, ça revient doux, livré qu'on a semé. Et donc le maître a compris que c'est l'ennemi, c'est la réponse qu'il est en train de donner. L'ennemi, quand nous avons bien semé, mais l'ennemi le soir est venu semer livré, il est venu semer la mauvaise semence. Mais les ouvriers, les travailleurs avaient donné l'idée à maître pour dire, maître, si cela est possible, est-ce que nous ne pouvons pas arracher cela? Est-ce que nous ne pouvons pas enlever l'ivraie? Le maître dit, non, ne l'enlevez pas, parce qu'il risque, quand vous enlevez l'ivraie, vous pouvez enlever aussi le blé, vous pouvez aussi enlever la semence qui est bonne, vous pouvez mélanger cela. Et donc, attendons le temps de la moisson, le temps de la récolte. Et donc vous allez ramasser, récolter, prendre d'abord en premier lieu l'ivraie et l'attacher, le mettre au feu, et puis récupérer la bonne semence qui est le blé, afin que nous mettons le blé dans notre grenier. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la situation que le Christ nous présente. C'est la situation du monde. Le diable est en train de semer la mauvaise semence, que
quand nous voyons ce qui se passe, quand nous voyons dans nos familles, de là où nous sommes en train d'évoluer, quand nous voyons dans le monde entier ce qui se passe, il y a des torts, ce qui est criard, ce qui est mauvais, c'est le diable qui est en train de s'aimer. Les mauvaises pensées, la haine, tout ce qui est du noir, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est du péché, tout ce qui ne concorde pas à la volonté de Dieu, c'est ce que le diable a semé. C'est ce que le diable est en train de semer. C'est ce que le diable continue à semer jusqu'à aujourd'hui. Mais le temps de la moisson arrivera. Le temps où le Seigneur va tout tamiser. Le temps de la récolte où le Seigneur va tout tamiser. Ce temps arrivera. Ce temps, même si que le diable a semé une mauvaise graine, qu'il a semé ce qui est mauvais, mais l'Éternel finira à arracher, à enlever cela. Au temps favorable, le temps précis, quand l'Éternel, au temps favorable, l'Éternel va arracher, au temps favorable, l'Éternel va enlever. Ô bien-aimé, ne évitons ce que le diable est en train de semer. Nous devons éviter cela. Oui, le diable sème. Ce qu'il est en train de semer, c'est ce qui est mauvais. Nous remarquons cela sur le terrain. Nous voyons cela sur le terrain. Nous voyons cela dans la pratique. Ce que le diable est en train de s'aimer, lui qui sème la division, lui qui sème livrer, lui qui sème, quand nous prenons livrer bien-aimé, c'est tout ce qui est mauvais, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le Seigneur nous veut de l'amour, mais le diable nous veut que de la division. Le Seigneur nous veut que nous puissions vivre l'amour mutuel avec les autres, s'aimer comme il a dit, aimer lui l'Éternel et aimer ton prochain. Mais le diable, ce qu'il fait, c'est que nous puissions nous éloigner de Dieu, de ne pas aimer Dieu, de ne pas aimer notre prochain. Quand nous écoutons de tels dialogues bien-aimés, quand nous écoutons de telles pratiques, nous devons nous dire, le diable a semé. Ça, c'est le diable qui a semé dans la nuit, le diable qui a semé la nuit, quand les gens se reposaient, oh bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres du ténèbre, sans semer que la nuit, pas le jour. Et donc notre Seigneur travaille le jour. Les œuvres du Seigneur, les œuvres qui sont bonnes, sont semées le jour, vues au seuil de tout le monde, aimées par tout le monde, parce qu'il n'y a pas quelque chose de la honte, parce qu'il n'y a pas une mauvaise semence, parce que la graine n'est pas mauvaise. Et donc, bien aimé, c'est là où le Seigneur travaille le jour. Le Seigneur, ce qu'il fait est bon, mais le diable, comme ce qu'il fait est honteux, bien aimé, c'est comme aujourd'hui, ce qui est en train de se faire dans la nuit, c'est criard. Mais les gens veulent rapporter, les gens veulent prendre les œuvres du ténèbre, les ramener dans la journée, bien que le jour. Mais tout sera connu, même si quelque chose que les pyramides que le diable veut renverser pour vouloir aujourd'hui, bien aimé, si je le disais, c'est en conséquence de cause, c'est en connaissant quelque chose. Aujourd'hui, les féticheurs ne sont plus comme les féticheurs d'hier. Les féticheurs d'hier, on les reconnaissait par leur bandeau rouge. Les féticheurs, on les connaissait par leur, c'est-à-dire habillement tel qu'ils étaient. Mais aujourd'hui, les féticheurs sont en train même de prendre la Bible. Les féticheurs voulant changer des dons, mais nous les reconnaîtrons. Nous allons reconnaître les féticheurs à travers les fruits. Ce ne sont pas les gens qui vivent la parole de Dieu. Ils peuvent parler, ils peuvent dire, ils peuvent prêcher la parole, mais en eux-mêmes, ils ne vivent pas cette parole. Et regardez combien de fois, même les féticheurs, les magiciens, sans vouloir, veulent se déguiser pour vouloir dire qu'ils sont de Dieu, mais au fait, c'est des semences semées par le diable. Mais vous serez connus, vous serez dévoilés, là où tu veux te voiler, mais la lumière finira à te découvrir, à te déballer, la lumière finira à te faire connaître. Toi
toi qui es l'homme du ténèbre, qui veut se masquer pour vouloir dire que tu es l'homme de la lumière, nous devons faire très attention. Oui, il y a de ces semences. Il y a de ces semences. Les semences plantées par le diable, ça peut être la semence de la prophétie, une mauvaise prophétie, une mauvaise donne. Ça pourrait être, bien aimé, soyons attentifs. Ce que le maître n'a pas semé, on le sera. Ce que le Christ, ce que le Seigneur, le maître de la moisson n'a pas semé, on le sera, on le verra, que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Pour que tu puisses faire cette différence, comme l'avaient fait les ouvriers, comme l'avaient fait les ouvriers ce jour-là, et nous allons relire le verset 28. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allons l'arracher? Que nous allons l'arracher? Non! N'arrachons pas. C'est lui le maître. Le maître connaît son temps, le temps de la moisson. Lui, n'arrachons pas. Laissons que cela puisse croître. Mais le jour de la moisson, l'Éternel enlèvera. Il donnera l'ordre. Il donnera l'ordre. Quel que soit dans le grenier du Seigneur. Oui, le livret ne peut pas rentrer, ne peut pas rester dans le grenier du Seigneur. C'est impossible. L'Éternel va tout tamiser. Il va tout tamiser. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et le Seigneur nous fait comprendre que c'est le temps de se donner à lui. Parce que le temps de la moisson, bien aimé, il va diviser. Il va mettre de côté ce qui n'est pas de lui. Et il va prendre ce qui lui appartient. Et donc, sois aux côtés du Seigneur. Sois aux côtés de ce que l'Éternel va récupérer ce jour-là. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous fait plonger dans le bain de sa parole. Dans le bain de ce qu'il est Dieu. Dans le bain de ce qui nous écoute. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. 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 Mavanga meno manata kimbangi, mavanga mami imanata kimbangi, mavanga meno mumbanunu azi nguketo faranza. Ah, mavanga meto manata kimbange, mavanga mami manata kimbange, mavanga meto manata kimbange, mumbanunu asingu keto vanga. Anka anda muzulu mina bengolwe, kumbu wa mutu inasola, amutala mavanga makasa didi, vuluzi isu na vutuka. Mavanga meto manata kimbange, amami manata kimbange, mavanga meto manata kimbange, mumbanunu wazi. Éternel notre roi, éternel toi qui vois les choses dans sa réalité, toi Yahvé notre Dieu qui connais les choses telles qu'ils sont, éternel, toi tu es le véritable juge, parce que en toi quand tu admets ton jugement, éternel, ni ne peut y reposter, ni ne peut y révoquer, et donc ce temps Seigneur, prépare-nous, Yahvé notre Dieu que ton esprit, Yahvé notre Dieu puisse nous vivifier, afin que nous ne soyons pas aux côtés de ceux qu'on va déraciner ce jour-là, éternel des amis, toi qui connais ce que le diable est en train de s'aimer, il est en train de s'aimer Yahvé notre Dieu, dans nos familles, dans nos nations, le diable est en train de s'aimer des comportements ironiques. Éternel qui fait mal, mais c'est à toi. Seigneur, nous savons ce temps de la moisson arrivera, ce temps de la moisson qui est le temps du jugement, qui est le temps que tu viendras, non pas pour venir sauver, mais pour venir prendre ceux à qui éternel, qui t'ont suivi pour les sauver, pour être à tes côtés. Éternel, et mettre de côté le diable avec ses agents. Et avant notre Dieu, c'est là où nous sentons, c'est une vérité, ta parole qui est vérité. Nous sentons que l'enfer existe. Nous sentons
montant éternel des armées. Le ciel existe, mais nous voulons être, Seigneur, le blé que tu as éternel toi-même semé. Dieu, que tu as toi-même semé, fais que chacun de nous éternel par cette parabole, fais que chacun de nous éternel par cette réflexion éternelle de ce soir, que chacun de nous puisse tirer profit et réfléchir, il sera dans quel côté, et qu'est-ce qui est semé dans son cœur, qui a semé dans son cœur, qui a semé dans sa vie, qui a semé dans son être, afin que éternel nuit et jour, nous soyons abreuvés et que nous devons chercher le droit chemin, le vrai chemin qui mène à la vie et la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oh Jésus, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oh Alléluia, Alléluia, Hosanna, Hosanna, gloire à Jésus, gloire à Jésus, le Sauveur du monde. Oh Alléluia, Alléluia, Hosanna, Hosanna, gloire à Jésus, gloire à Jésus, le Sauveur du monde. Oh Jésus est la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Celui qui croit en lui vivra comme un qui serait mort. Alléluia, Alléluia, Hosanna, Hosanna, gloire à Jésus, gloire à Jésus, le Sauveur du monde. Bénis ton peuple, bénis ton peuple. Que lui-même le Seigneur de gloire, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde. Maintenant, et à jamais, au nom de Jésus, nous avons ainsi fait cette prière. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, passez une bonne nuit. À nous retrouver demain samedi sur ce même plateau, 22h. Que le Seigneur nous accorde ce temps au cas où nous savons, mais attendons le temps de demain. Et donc, passez une bonne nuit. Nous sommes ensemble, celui qui était avec vous. C'est votre serviteur, humble serviteur, le couple également de l'étudiant pasteur Sitabikumo Gavani Apollin. Vraiment, passez une bonne nuit. Nous sommes ensemble. Soutenons-nous dans la prière. Merci.